Bon alors Frédéric, on est plus habitué à vous voir face à des nageurs un petit peu plus musclés dans les bassins. Alors qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui? Disons que moi j'ai surtout l'habitude d'être, j'ai malheureusement pris l'habitude d'être avec des nageurs beaucoup plus grands que moi. Quand on voit des Florent Manaudou, des Yannick Agnel qui sont à plus de 2 mètres, là ça me fait du bien finalement d'être plus grand que les nageurs avec lesquels j'étais ce matin, qui sont en fait des bébés nageurs. Donc ce matin je crois que la plus petite avait 8 mois et ça allait jusqu'à 2 ans. J'étais là avec Guiz pour faire une animation Little Swimmer autour de la couche culotte développée par Guiz sur les séances de bébé nageur. Mais c'est également pour promouvoir tout simplement et sensibiliser surtout en fait l'activité bébé nageur auprès des parents et de leur montrer vraiment tous les bienfaits et les bonnes choses que pouvait apporter une séance de bébé nageur à leur enfant. Mes premiers souvenirs dans l'eau, je pense que je devais avoir 3-4 ans. Mais je sais que mes parents m'ont mis à l'eau très tôt, très jeune, puisque j'ai grandi sur la côte du Roussillon et à proximité de la mer. Donc je sais que mes parents étaient très sensibles au fait que je puisse me débrouiller dans l'eau très tôt. Je devais avoir 4-5 ans. Mais ça n'a pas été non plus le déclic pour commencer à nager et faire de la natation, ma passion. Ça, c'est arrivé beaucoup plus tard. À l'âge de 13 ans, en fait, en commençant à faire des entraînements avec le sport scolaire. C'est là que j'ai découvert réellement que j'apprécie particulièrement l'eau, le contact avec l'eau et tout simplement la course. Une fois qu'on a notre enfant qui arrive dans notre vie, notre vie n'est plus une priorité, la sienne le devient. Et donc, du coup, ça relativise énormément les choses. Là, on vous a vu entouré d'enfants. Moi, j'ai envie de dire que vous êtes un papa poule, mais est-ce que c'est le cas? Disons que je me soigne. C'est dur de pas être papa poule. Enfin, forcément, quand on a un enfant, on devient vite gaga. Et on essaye de rester dans le réel, mais c'est presque aller contre nature. Donc, allez, je vais dire papa poule et je l'assume. Bon alors avec deux parents nageurs, est-ce que votre fille est obligée d'aimer l'eau et de devenir nageuse ou est-ce qu'il y a d'autres opportunités qui peuvent s'offrir? Elle sera une grande joueuse de tennis, non je plaisante. Écoutez, pour le moment on la force pas, on veut surtout pas la forcer et on la forcera pas dans quoi que ce soit natation ou autre activité. La petite anecdote fait qu'elle n'est pas encore particulièrement à l'aise avec l'eau. Elle a un peu plus de 4 ans et elle découvre petit à petit ce que c'est que de mettre la tête sous l'eau ou regarder sous l'eau, bloquer sa respiration. Mais pour le moment, on y va petit à petit. On ne veut surtout pas la brusquer.